Bonjour, nous sommes de retour aujourd'hui pour un tout nouveau point que vous allez pouvoir mettre dans votre boîte de points de tricot, dans vos connaissances. Alors, bien sûr que cette vidéo-là va se retrouver avec toutes les autres vidéos de la playlist Apprendre le tricot pas à pas sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous voulez, vous aimez ça puis vous n'avez pas commencé encore le cours Apprendre pas à pas, ben reculez, allez voir dans ma chaîne YouTube, OK? Juste en appuyant sur le petit icône en bas de la vidéo, ici à gauche, là, qui représente ma chaîne. Alors, vous cliquez dessus, ça va vous amener directement sur ma chaîne et vous pourrez sélectionner la liste de lecture en français qui regroupe tous les vidéos pour le cours Apprendre pas à pas. Alors, juste 2 petites minutes pour vous expliquer pour celles qui sont celles et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. J'ai développé cette technique-là il y a plusieurs années, OK? Plusieurs dizaines d'années. Puis, j'ai enseigné dans ma boutique Pignon sur rue pendant des années cette technique-là pour vraiment amener les tricoteurs et tricoteuses à un niveau d'autonomie. Parce que je trouvais ça plate que les gens avaient plein de connaissances, mais il n'y avait pas de lien entre les connaissances. Donc, c'est que l'apprentissage avait été fait à droite, à gauche, à gauche, à droite. Ah, oh, une petite technique ici pour améliorer. Oh. Tandis qu'il y a vraiment une façon d'apprendre. Si vous apprenez pas à pas, une chose à la fois, il y a beaucoup plus de connaissances que vous allez pouvoir avoir parce que vous allez être capable aussi ensuite de faire des choix. Est-ce que c'est mieux de choisir telle technique ou telle technique dans telle situation? Alors, l'autonomie, elle va être là. OK? Mais c'est sûr que ce n'est pas avec 5 points de tricot. C'est avec une quarantaine de points de tricot que cette autonomie-là va venir. OK? Ensuite, aussi, il y a des apprentissages de patrons, de techniques de patrons, que je vais vous donner aussi par des cours-projets. Qui vont apparaître bientôt là, dans cet automne. Et vous aurez le choix de pouvoir les suivre si vous voulez. Et ça, toujours gratuit, hein? Toujours gratuit. Si vous voulez m'encourager, vous êtes du Canada, vous pouvez acheter sur ma boutique en ligne artisanatdunord.com, telle que la belle revue que j'ai ici là, en ce moment, qui se nomme La Bible du tricot des éditions Marie-Claire. Vous pouvez la retrouver partout dans le monde entier. Ça vient d'Europe, alors c'est facile pour vous aussi, même si vous ne pouvez pas acheter dans ma boutique en ligne, là, les gens d'Europe, ben, chez vous, ça se trouve facilement, parce que ça vient de chez vous. Alors, cette revue-là, moi, ça fait des années que je travaille avec, mais c'était d'autres éditions. Je pense que je suis rendu à la 4e édition de cette revue, de ce livre de points de tricot. Au fil des éditions, des nouvelles éditions, ils ont toujours su un peu renouveler là, la revue. Donc, elle est toujours un petit peu différente de la fois d'avant. Cette fois-ci aussi, ils ont ajouté des points, ils ont aussi mis une section de jacquard, chose qu'il n'y avait pas dans l'édition précédente. Alors, c'est tout le temps le fun de se procurer à chaque fois les nouvelles éditions de la Bible du tricot, des éditions Marie-Claire. Okay? Faites attention pour ne pas vous tromper avec d'autres revues qui pourraient apporter le même nom, là, parce que des fois, il y en a qui aiment ça, mélanger des cartes. Alors, aujourd'hui, nous apprenons le point de vannerie. OK? C'est un point superbe, hein? Un petit point un peu capitonné par ses mailles entrelacées. Ceux qui ont déjà fait les cours précédents là, au niveau des torsades, je vous ai appris cette technique-là qui était dans la vidéo de les petites cordes. Je vous ai montré à faire des torsade seulement avec 2 mailles sans aiguille auxiliaire pour faire la torsade. Alors, c'est la même technique,
mais avec un ajout d'une difficulté parce qu'on va en avoir sur l'envers du travail, donc on va les faire à l'envers ceux-ci. Et pourquoi j'obtiens pas de torsade? J'obtiens des choses entrelacées, ben c'est la direction qu'on donne à la torsade, au mail torsadé. OK? Alors, pour faire mon échantillon, moi j'ai monté 20 mailles. Parce que on me demande un multiple de 2 plus une maille lisière à chaque extrémité. Donc, moi, mon multiple, c'est 18, ça se divise par 2. Plus 2 mailles pour mes lisières, une au début, une à la fin. J'ai décidé de faire des lisières de jersey en droit. Alors, c'est simple. Lorsque je suis sur l'endroit de travail, je les tricote à l'endroit. Les deux, hein? La première et la dernière sont tricotées à l'endroit. Et lorsque je suis sur l'envers du travail, je tricote la première à l'envers et la dernière à l'envers. Et ça, c'est les plus belles lisières de couture qui existent, les lisières de jersey. Très important. Ici, j'aurais pu faire des lisières perlées aussi, mais pour éviter de donner encore plus d'épaisseur par rapport aux coutures ou quoi que ce soit, j'ai décidé de faire la jersey. Une autre chose, si je voudrais relever des mailles pour faire une bande, ben ça serait mieux d'avoir la lisière jersey que d'avoir une lisière chaînette. Parce que c'est pas un point de maille glissée, là. OK? On perd pas de rang. Au contraire, il élève plus vite celui-ci. Il donne plus de hauteur plus vite. Alors, tout de suite, on va se mettre au travail. Pour le premier rang, qui est l'endroit de travail, on me demande de faire une maille lisière, virgule. Ensuite, deux mailles croisées vers la gauche à l'endroit. Ça, c'est le titre pour mes deux petites mailles croisées. Elles s'appellent comme ça. OK? Maintenant, dans la parenthèse, on va m'expliquer comment le faire. Si il n'est pas écrit dans la parenthèse, ben, vous vous référez à la légende, souvent d'un patron, ou comme ici, la légende est en bas du point, et on m'explique quoi faire avec mes petits dessins. Alors, ici, on me l'écrit ici. Donc, tricoter à l'endroit, d'abord la deuxième maille en passant derrière la première. Tricoter à l'endroit, d'abord la deuxième maille en passant derrière la première, virgule, puis la première. Donc, j'ai l'information pour mes deux mailles. Ça veut dire, je fais ma lisière. Et maintenant, ça dit de tricoter d'abord la deuxième maille, comme ça ici, en passant derrière la première. Alors, ici, c'est devant, ici, c'est derrière le travail. Alors, ici, je suis derrière la première. Alors, je viens chercher ma maille et je la tricote à l'endroit. Faites attention pour ne pas accrocher rien parce que ça, c'est un point que si j'accroche les laines ou je divise mes laines, ça va faire une erreur. Ça ne sera pas joli. Ensuite, lorsque j'ai tricoté celle de derrière, par derrière, je vais tricoter celle de devant, la première, normalement. Et ça me donne ma tombée à gauche. Alors, je répète, je tricote d'abord la deuxième à l'endroit en passant derrière la première. Hein? J'étais bien, mon aiguille était bien derrière la première. Puis tricoter la première maille. Et voilà. Donc on fait ça sur toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Puis on termine par la maille lisière. Là, le conseil du jour, ne faites pas ça trop serré. Même que donner un petit coup là, pour remonter votre maille va être très apprécié là, lorsque vous allez tricoter l'autre rang après. Alors, toujours, toujours
tricoter souplement et pas trop serré. Comme ça ici, je viens chercher la deuxième. Il y en a qui font des belles mitaines aussi avec ça. Hein? Des super de belles mitaines. Ça donne une petite mitaine un peu doublée aussi en même temps. Moi, j'ai des projets qui s'en viennent avec ça là, dans mes courts projets là, que je ne peux pas vous dévoiler tout de suite, mais vous allez sûrement aimer. Les kits vont se retrouver sur ma boutique en ligne, comme toujours. Vous allez pouvoir acheter votre kit puis suivre avec les vidéos. Gratuit! Et voilà. Donc, la dernière, une maille lisière que je tricote à l'endroit parce que je suis sur l'endroit de travail. Maintenant, je tourne sur l'envers de travail. Une maille lisière. Une maille envers. OK. Là, on va aller regarder le petit dessin. Vous avez vu, il est comme décalé, hein? Mais la raison pourquoi il est décalé, c'est à cause de cette petite maille envers-là que je fais. Je fais décaler mon travail. Alors, je fais ma maille envers, qui est la maille lisière, plus celle pour le point, la maille envers. Ensuite, on me dit de faire deux mailles croisées vers la droite à l'envers. Ça, c'est le titre de mes deux mailles croisées. Tricoter à l'envers d'abord la deuxième maille en passant devant la première, virgule, puis la première maille. Alors ça veut dire, je tricote à l'envers la deuxième maille, OK, de mon aiguille gauche, en passant devant, OK? Voyez-vous, je suis devant la première. Tantôt, j'étais derrière, là, je suis devant la première. Comme ça, je la ressors tranquillement. Et je viens retricoter la première de façon normale, mais à l'envers, parce que je suis sur l'envers de travail. Et je laisse tomber les deux. OK, je répète. Je viens chercher la première, pas la première, la deuxième, pour la tricoter à l'envers, mais en passant devant la première. Donc, ma première maille, c'est L. J'ai passé l'aiguille devant, hein, parce que je suis venu piquer ma deuxième comme ça. Je vais faire une maille à l'envers. OK. Pour l'instant, la première est toujours toute seule, pas tricotée. Je vais appuyer mon doigt pour garder ma maille, puis je vais venir retricoter la première, cette fois-ci à l'envers encore. Passe ma laine et je fais tomber le tout. OK. Je vais vous redonner un petit truc là parce que apprenez à tenir vos mailles. Correct? Là, on n'est plus au niveau débutant, là, que les mailles volaient à droite pas à gauche, là. Vous êtes capable de tenir votre tricot prêt, puis t'sais, vos doigts là, ils sentent le tricot maintenant, là. Alors, apprenez à garder les mailles. Gardez mon doigt, il s'appuie sur ma maille. Il est appuyé ici, celui de gauche. Et je viens chercher ma maille. Je vais venir avec mon pouce travailler ça. Hein, nos mains sont là pour ça, ils sont pour nous aider. Le tricot, ça se fait pas juste avec les aiguilles, ça se fait avec nos mains aussi. Okay? C'est important. Si vous voulez avancer là, dans le tricot, il va falloir apprendre à travailler un peu avec les doigts et non juste avec les aiguilles. C'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler plus près du travail. OK? Et le succès va être là. Parce que si vous essayez toujours de travailler avec des techniques spéciales, ben, vous arriverez peut-être pas à vos fins. Hein? Des fois, là, il faut ce qu'il faut pour avoir quelque chose de beau. Alors, j'ai presque fini mon rang. Donc, successivement, je croise toutes mes deux mailles
2 mailles toujours de la même façon, tout le long du rang. Là, il va me rester mes 2 mailles. Ma maille lisière, qui est toujours ma maille lisière, et une dernière maille. Donc, si je vais voir ici, on me disait de répéter d'étoile à l'étoile, ce que j'ai fait, hein, répéter mes petites torsades. Terminer par une maille envers. Donc, c'est la maille que j'ai de trop. Plus une maille lisière. Alors, ma maille envers. Plus ma maille lisière que je tricote à l'envers. Et on tourne de bord. Donc, j'ai 2 rangs de plus de fer. C'est vraiment un beau point. C'est vraiment beau. Là. On est dans une autre catégorie. Hein? C'est... Plus on va avancer, plus vous allez apprendre des points différents qui ont de la gueule. Hein? C'est un point qui a de la gueule. Et on le regarde, puis on n'imagine pas que c'est aussi facile. Hein? Que ça se fait juste sur 2 rangs. Ou, on n'imagine pas ça, là, que la technique est aussi facile que ça. Alors, c'était simplement ça. Puis, on peut l'utiliser à toutes sortes d'essais. Vraiment, là, vous allez voir, là, vous allez l'aimer. Moi, je le vois là, tout de suite là, en partant, là, un beau bandeau. Hein? Un beau bandeau, il est stretché un peu. Hein? On dit en français, on dit élastique. Un petit peu élastique, c'est vraiment un beau point. Là. Tu sais, pour tout l'automne qui s'en vient, là, ça peut faire un très beau bandeau. Je donne un petit hint, c'est déjà un de mes projets de faire un petit bandeau avec ce point-là. Alors, il va rester juste à trouver une belle laine pour que vous soyez « Wow, c'est beau! » Et peut-être améliorer les bandes de chaque côté là, pour avoir quelque chose de plus joli, plus fini. Hein? Vous allez voir ça bientôt. Alors, c'était le point d'aujourd'hui. Puis, comme je dis toujours, si vous voulez continuer votre apprentissage, ben, continuez à me suivre en étant abonné parce que vous allez recevoir les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Sinon, vous allez peut-être en manquer, vous allez peut-être être déçu parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont voir cette vidéo-là et ont manqué peut-être les 10 derniers que j'ai sortis. Puis là, ils vont être obligés en rafale d'aller voir les 10 derniers. Alors, si vous me suivez, vous êtes abonné, ben vous allez avoir vos notifications chaque fois que les vidéos sortent. Alors, vous allez pouvoir les apprendre plus régulièrement, hein? Moins en rafale. Alors, beau tricot. Amusez-vous bien, puis au prochain point!